Oh, vous m'avez fait peur, monsieur Attridge. Pyrrhus, ma parole. Mais je m'attendais pas du tout à vous rencontrer par ici. Quelle agréable surprise. Descends. Maintenant, donne l'argent. Mais je l'ai pas eu. Et tu t'échappais pourquoi? Je savais pas qu'il me poursuivait, mais ça pouvait bien être un hold-up. Qu'est-ce que t'as fauché? Un très beau plan. Oui. Oh, c'est bon de revoir les copains. Les amis avant tout, c'est ma devise. Pauvre Charlie, ton vieux copain va te descendre. Mais j'allais justement vous retrouver. Pourquoi est-ce que je vous roulerais? Pourquoi? Mais vous qui me commanditez, justement. Sans vous, j'aurais jamais pu arnaquer cette veuve. Vous croyez quand même pas que je veux vous doubler? Alors où il est, notre argent? Je l'ai joué au poker strat. Et perdu? Mais j'espérais doubler votre pognon, les gars. Je voulais vous faire une surprise. Bluffeur à la manque. Descends-le. Mais calmez-vous. On dit, qui prend la mauvaise route, fait deux fois le chemin. Alors, regardez, regardez ce papier. Ce papier est une carte. C'est celle du filon bêta disparu. À présent, écoutez, le disparu bêta vous déclare, je vaux au bas mot 50 millions de dollars. Charlie. Qu'il est disparu, on n'en a rien à foutre. Il n'est pas complètement, tu vois. Je l'ai à peu près repéré, le disparu. Vous, avec votre jeunesse, votre intelligence et votre énergie, vous le trouverez en moins d'une semaine. Une bonne affaire. Et je vous file le plan pour le fric que je vous dois et je mets 50 dollars au bout. Adieu, l'embobineur. Allez, vous fâchez pas. Je vous le rendrai, votre argent, mais il faut que vous m'accordiez deux petites journées. Et tu vas le dénicher où, notre fric, en deux petites journées? Et je vais jouer le gros atout. J'espérais pas avoir à le faire, mais... Mais il comprendra. Il a assez déconné, le bonhomme. Descends-le. C'est quoi le gros atout, Charlie? Barclay. Miss Barclay me donnera l'argent. Et pourquoi elle te le donnerait? Il est mon fils. Quoi? Dis-moi, s'il ne pleut pas très bientôt, il va falloir creuser des puits. Mais comment, la dernière pluie n'a même pas encore séché. Je te dis que c'est la saison la plus sèche qu'on ait eue depuis des années. Et moi qui me figurais que c'était une saison pluvieuse. Ah. Je me souviens une fois du côté de Yuma avec un copain, on conduisait les vaches. Il est tombé une goutte de pluie, mais alors tout droit sur le crâne du type. Et après? Le choc a été si fort qu'il est tombé de sa selle. Et il y a survécu? Ça n'est pas fallu de beaucoup, mais... Je lui ai balancé un seau de sable à la figure et ça l'a réveillé. Je te verrai au déjeuner. Is Barclay? À l'intérieur. Charles Sawyer, géologue et ingénieur des mines. Ma spécialité, c'est les mines d'or. À votre service. Is Barclay, que puis-je pour vous? Voilà, il se trouve que j'effectue quelques recherches préliminaires sur un terrain qui, d'après mes renseignements, appartient à la famille Barclay et qui se trouve dans la région des collines. Afin d'être en conformité... Monsieur Sawyer, nous avons fait sonder ces collines mètre par mètre et nous savons parfaitement qu'elles ne sont pas aurifères. Bien, excellent. Peut-être pourriez-vous m'en attribuer une partie pour y faire des recherches plus approfondies. C'est du domaine de mon frère Jarod. Il est à la maison. Je comprends, merci beaucoup. Is... Je n'essaierai pas d'y aller par quatre chemins.
Je ne suis pas venu parler d'affaires minières. Je comprends pas. Je suis venu te parler à toi. D'accord, qu'avez-vous à me vendre? Ta famille, ta vraie famille. Je n'ai aucune envie de te faire de la peine ou de te choquer. Laisse-moi d'abord te dire. J'ai vécu dans les affres. J'en ai bavé aussi loin que mes souvenirs me portent, courant toujours après la chance. À présent, il faut que je m'arrête un peu pour souffler. Monsieur Sawyer, j'ai beaucoup de travail. Où voulez-vous en venir? Voilà. Il y a peu de choses près, 27 ans de ça, ta mère épousait un jeune propriétaire de prospecteur portant le nom de Charlie Sawyer. Maintenant, tiens-toi bien. Quelques mois après, elle apprenait que Charlie Sawyer s'était noyé dans une mare quelque part vers Strawberry. Se considérant comme veuve, elle a repris son nom de jeune fille. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? J'essaie de te dire que je suis ton père. Mon père s'appelait Tom Barclay. Regarde ça. Voilà un certificat de mariage entre Charles Sawyer et Léa Thompson. Et j'ai encore autre chose. Regarde. Il y a ta tendre chère maman à côté d'elle, il y a moi. Je peux te décrire la maison où tu es né. C'était une maison blanche avec une baie vitrée sur la gauche et au mur de la salle à manger une broderie où était écrit « Dieu bénisse ce foyer ». N'importe qui aurait pu y être venu. Et le cantique en Judée, Dieu est connu. Tu te souviens? Vous avez tout inventé. Is, j'ai raconté beaucoup de bobards dans ma vie. Mais ça, c'est la vérité. Je ne te demande rien. Je voulais seulement te connaître. Pourquoi maintenant? Oh, je voulais te connaître depuis longtemps, mon enfant. Un homme qui a un fils souffre de descendre dans la tombe sans avoir posé les yeux sur lui. Ton sort est bien plus beau que je n'aurais jamais osé l'espérer. Oh non, ça ne peut pas être vrai. Je sais que ça te tombe dessus comme la foudre, et je ne suis pas fier de t'avoir laissé vivre tout ce temps dans le mensonge. Mais il y avait une raison. Je ne tirais pas assez de pépites pour un plat de haricots. Et il y avait un bébé en route. Il fallait trouver une solution. Et Tom Barclay tournait autour de ta mère. J'ai concocté cette histoire de noyade et je ne suis jamais reparu. Ça laissait la voie libre à Tom Barclay et à ta mère. Très bien, Sawyer. Il y a encore des habitants de Strawberry qui vous ont connu. On va y aller voir si quelqu'un se souvient. Nous allons y aller ensemble. Cette proposition me convient parfaitement. Et moi, je crois que vous bluffez. Fiston, je n'ai plus guère le temps de bluffer. Je connais la vérité sur moi aussi bien que sur toi. Donc, demain, si tu veux, je serai là à 8 heures tapante. Fiston. Quelque chose s'est passé au petit déjeuner. Bonjour. Bonjour. Voilà, il faut que je vous dise que je dois faire un saut à Strawberry demain. À Strawberry? C'est une vieille affaire. Personnelle? Oui, personnelle. Puis-je faire quelque chose? Non, c'est un certain Sawyer. C'est au sujet d'une petite propriété qui avait été mise à mon nom il y a pas mal d'années. Et oublié depuis. Et tu tiens à t'en occuper personnellement? Oui, autant que j'aille vérifier moi-même de quoi il s'agit. Normal. Je présume que ça doit être quelque chose d'important. La seule chose importante, c'est d'avoir de l'eau pour la ferme. Oh, Nick, il se va aller à Strawberry pour quelques jours. Strawberry? Oh. Y aurait-il de l'eau à Strawberry? Il n'y a rien à Strawberry excepté la tombe de ma mère.
bien, je pense être prêt. Sans petit déjeuner? Il faut que j'y aille. Ah. Eh bien, Heath, j'espère que la propriété t'appartient bien et qu'elle regorge d'or. Je l'espère aussi. J'espère que t'auras des millions. Eh bien, si je les ai, j'aurai à les partager avec vous, puisque vous partagez avec moi. Ah non, non, ils t'appartiendront à toi seul. Cette affaire n'a rien à voir avec les Barclay. Aussi longtemps que je suis Barclay, je dirais que si. La fameuse goutte de pluie, c'est pas toi par hasard qu'elle aurait assommé. Seulement moi, j'ai pas de seau de sable sous la main. Pardonnez-moi, faut que j'y aille. Je me demande si je ne devrais pas l'accompagner. Non, non. Quel qu'il puisse être, ce problème, c'est lui qui doit le résoudre. Voyez-vous cette carte? Cette carte est celle d'un des plus riches filons qui ait jamais existé. Hélas, je deviens un peu vieux et faible à présent. Aussi, je suis prêt à la céder à M. Barclay pour 5% des bénéfices les 5 prochaines années et 5 000 $ comptant. Désolé, M. Sawyer. Alors, est-ce que peut-être... Monsieur Sawyer. Ah, ça a été très intéressant de vous avoir, vous, très intéressant. Tu sais, tu as une famille absolument merveilleuse. Allons-y. Is. Je sais ce que tu penses. D'après les caquetages de ce canard boiteux, ton voyage, c'est du temps perdu. Je l'espère bien. Nous suivent depuis longtemps. Ben, ils vont peut-être au même endroit que nous. Vous les connaissez? Non, je crois pas les connaître. C'est peut-être des compagnons de route comme nous. Peut-être. On déjeune, j'espère. On déjeune. Ah, je pourrais peut-être rester en scène une journée entière, mais pas plus. Je me suis trop habitué au pullman des trains et au fauteuil des hôtels. Tu veux pas une petite goutte? J'attendrai après le café. Ah bon, nous y voilà. Toi et moi contre le monde. Vous savez, on pourrait boire un peu d'eau. Et je vais en chercher. Vu le chiffon rouge? Eh oui, mais... Vous devriez savoir, comme tout le monde, que cette eau est empoisonnée. Je savais pas. Empoisonnée? Ah, laissez tomber. Tant pis, on va boire de l'eau de ma gourde. Mais c'est épouvantable! J'aurais pu mourir, moi, empoisonné. J'aurais pu mourir dans l'atroce souffrance si tu n'avais pas été là. Tu m'as sauvé la vie. Je ne sais pas comment te remercier. Tu as droit à mon éternelle gratitude. Eh bien, ne me remerciez pas, je l'ai fait avant tout pour moi-même. C'est pas de la flatterie. C'est un plaisir d'avoir affaire à un honnête homme. Tu sais, j'ai jamais eu confiance en personne, mais j'ai confiance en toi. Parce que tu es la chair de ma chair. Fiston. Et ne m'appelez pas Fiston. D'accord, attends seulement qu'on arrive à Strawberry. Et si par hasard, il reste personne à Strawberry qui se souvienne de vous? Il en reste, tu verras. Tout le monde connaissait Charlie Sawyer. Mmh.
suis content, j'y étais jamais revenu. Si je crois votre histoire, ma mère a dû se débrouiller seule dans ce cloaque. Ben, c'était pas comme ça à l'époque. Je devrais vous démolir la gueule. Non, t'énerve pas, tu peux voir toi-même qu'il n'y avait pas assez d'or pour faire vivre la ville et moi avec. Voyons si ma tante et mon oncle vous reconnaissent. Il y a des chances, j'ai trinqué avec eux quand ils ont acheté l'hôtel. Ah, ben, ils ont mis la clé sous la porte. Et pourquoi t'essaies pas le saloon? Je suis bien décidé à tout essayer. Oh, ben là, il y aura sûrement du monde. Faudra bien que quelqu'un me réponde, Monsieur Sawyer. Oh, salut, Major. Avant tout, il faut que vous sachiez que vous êtes bienvenu ici. Maintenant, que puis-je pour votre service? D'abord, un petit renseignement. Vous le connaissez? Ah, peut-être bien. Au bout de 30 ans, tous mes clients ont l'air d'une bande de tolards. Tous les mêmes. Eh ben, moi, je connais la boîte depuis plus de 25 ans. Mais ça n'a pas changé tellement. Je reconnais l'endroit. Il y avait un grand tableau représentant Cléopâtre, là, au-dessus du bar. Les crachoirs étaient immenses, brillants comme des dollars neufs. Et il y avait des casse-croûtes empilées sur le comptoir. Ah, ouais, monsieur, c'était le bon temps. Et si vous dites que vous me connaissez, c'est que c'est sûrement vrai, ça. Ah, oui. Mais moi, ça ne me suffit pas. Est-ce qu'il reste encore des gens de cette époque? Ah, je crois pas. Ah, ils sont tous morts ou partis. Je vais vous dire, monsieur, cette ville est un vrai désert. Anna, est-ce qu'elle est morte? Anna James? Ah non, elle est toujours dans les parages, chantonnant pour elle-même. Anna? Elle s'est occupée de ta maman. Et de moi. Fiston, cette Anna reconnaîtra le vieux Charlie Sawyer à moins que ses yeux soient aveugles. Fiston, cette fois, je crois qu'on est au bout de nos peines. Anna. Je m'appelle Anna. Je suis Is. Tu te souviens de moi? Et comment? Mon petit Is, tu m'as pas oublié? Et ça me fait plaisir. Tu es mieux que jamais. Mais au pire, je suis prête à rencontrer le Très-Haut quand il m'appellera. Qui est avec toi, Is? Tu le connais? D'il y a très longtemps. J'ai plus beaucoup la mémoire des visages, ces temps-ci. Oh! Je vous croyais mort, noyé. Alors, tu connais cet homme? Je le connais, oh oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Monsieur Sawyer? On vous croyait tous morts. C'est une longue histoire, Anna. Il y a certaines choses dont un homme n'aime pas parler. Vous êtes revenu vivre ici? Non, Anna, pas pour y vivre. Juste pour qu'il sache qui je suis. Il ne me connaît que depuis 2 jours à peine. Is, chérie, je préparais le dîner de mariage le jour où ta mère et M. Sawyer se sont mariés. Aussi longtemps qu'il vivra, pour le meilleur ou pour le pire, cet homme-là a juré devant le pasteur de pourvoir à la subsistance de sa famille, et un jour, il a disparu. Vous n'avez jamais écrit ni rien. Ce n'est pas correct, Monsieur Sawyer. C'était une femme très bien, une vraie dame. Elle a souffert à cause de vous. Ta mère a subi beaucoup d'épreuves dans sa vie, mais tu étais sa joie. Merci, Anna. C'était bon de te revoir. Je crois pas que j'ai dit ce qu'il fallait, mais j'ai dit ce que je pensais de M. Sawyer. Ne te tracasse pas, Anna. Et si jamais tu veux t'installer dans la vallée, fais-le-moi savoir. Je veillerai à ce qu'on s'en occupe. Petit, je suis bien ici. Mais toi, tu as bien fait. Sois charitable. Vis humblement auprès de ton Seigneur. Et que Dieu te bénisse. Heath, as-tu été sur la tombe de ta mère? Je m'en occupe. Mais si quelque chose ne te plaît pas, il faut me le dire. Je suis sûr que c'est très bien, Anna. Merci.
aller sur la tombe de ta mère? Pas de danger. T'en prends pas à ta maman, tout est de ma faute, je l'avais salement laissé tomber. Où est-ce que tu veux aller? Boire un coup. Anna? Oui. Whisky. Mais en deux. Une chance que vous n'aimez pas la bière, parce qu'elle est chaude. On avait une fabrique de glace ici à l'époque où il y avait du monde. Voilà. À nous deux, fiston. Ça va pas, Charlie? Vous voulez me faire la même chose qu'à elle? Non, écoute, Is. Deux mots font pas un bien. Je vais retourner au ranch, je vais emballer mes affaires et ensuite Mexico. Tu ne dois pas faire des bêtises parce que tout ça est neuf pour toi, pas la peine de foutre tout en l'air. Un Barclay est un Barclay, un Sawyer est un Sawyer. Non, écoute, fiston, j'ai parcouru le monde entier. J'ai appris une chose, il ne faut jamais tuer la poule aux œufs d'or. Ça ne sert qu'à t'enlever une chance. Et c'est tout. Il faut jamais brûler les ponts derrière soi. Et puis, Madame Barclay, elle pourra avoir le béguin pour moi. Pense à ça. Je parie que vous avez toujours vécu sans femme. Ça se pourrait. Mais personne ne m'a jamais donné ce que les Barclay t'ont offert. Personne ne m'a jamais donné 10 000 acres de mine d'or et d'orangerie. Tout ce que j'ai jamais eu, c'est une paire de bottes bien cirées et un sourire passe-partout. On peut pas transformer un étourneau en grive. Et à partir d'aujourd'hui, j'y redeviens moi. Whisky. Et du bon. Il vous plaira. J'ai un petit problème de trésorerie. Il faut que je te fasse un petit emprunt. Je suis un petit peu serré ces jours-ci. Tu vois, ces deux-là, c'est de l'argent qu'ils veulent. C'est ça, la fibre paternelle. Crois-moi, Is. Si tu ne m'aides pas, je suis fini. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien du tout. Tu pourrais pas être plus raisonnable. Je sais, j'ai fait dans ma vie pas mal de choses, des choses dont je ne suis pas fier. Mais j'ai pas le choix. C'est simple, ou bien je paye, ou je crève. Toi, tu peux emprunter de l'argent à la banque, et moi, je te rembourserai. Tout dépend de toi. Ça dépend pas de moi. Je n'exploite pas un nom qui n'est plus le mien. Salut, Charlie. Et Satan ! Laisse, Charlie, ça marche pas. Ça va marcher, il va revenir. C'est pas ce qu'on a entendu. Les gars, tout ce qu'il me faut, c'est un petit peu de temps. Hey, le temps, c'est de l'argent, c'est le cas de le dire. Apporte encore du whisky. Et non, c'est un signe, ça veut dire quelque chose? Eh ben, je suis le shérif, le maire, le cantonnier. Suppose que je veuille arrêter quelqu'un. Oh, ça fait pas mal d'années qu'on n'arrête personne dans le coin. Et si je disais maintenant que t'as besoin d'un adjoint, ça t'ennuierait? Mais pourquoi faire? Parce que je l'ai décidé. Voilà pourquoi. Regarde ça, Charlie Sawyer. T'as vu ce que j'ai là? Hein? J'ai pris cet insigne, il fait de moi le shérif. Et tu sais ce que je vais faire en premier? Te mettre en état d'arrestation. Sous l'accusation de détournement de fonds, abus de confiance, escroquerie caractérisée et tentative de fuite. Tu plaides quoi? Ben, je... Voile bouclée. Et toutes ces accusations pèsent sur toi, tu le sais, Charlie. Donne-moi les clés de la prison. Elles ont été perdues il y a belle lurette. Bon, et celle de l'hôtel de ville? Il a brûlé il y a 4 ans. Très bien, dans ce cas, la cour siégera ici.
Ici, ça ira très bien. Maintenant, j'exige le silence. Sachez, monsieur Charles Sawyer, que vous êtes accusé de tous ces délits. Qu'est-ce que vous plaidez? Coupable ou non coupable? Bon, je plaide coupable d'avoir pris votre argent, mais je m'engage à vous le rendre. Et les intérêts aussi, c'est un fait. Comme disent les banquiers, un prêt à court terme doit être remboursé à la demande, et nous te le demandons maintenant. Quelle perspective avez-vous de vous procurer 3 000 $ maintenant? Oh, excellent, excellent. Yes, Barclay et moi avons justement élaboré un nouvel accord financier. En outre, Jarrod Barclay, le frère de Hiss, est extrêmement intéressé par la carte de la concession minière abandonnée du nom de Beta. L'accusé est déclaré coupable. Il sera pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'ensuive. Attendez, les gars, vous croyez pas que vous allez un peu loin avec votre blague? Vous devriez l'acquitter, les gars. La pendaison est une chose très sérieuse. Mais voler mon argent aussi. Après toi, Charlie. Passe cette corde. Écoutez, je veux pas être mêlé à cette histoire, moi, parce que j'ai... Passe cette corde! Allez, passe cette corde. Ou on te la passe autour du cou. Avance. Vous le regretterez demain. Avance. Mais vous ne savez pas. Je croyais que... Avance. Non. Avance. Vous savez pas ce que vous faites. Vous faites pas des choses pareilles. Lisse, lisse. Attendez, attendez. Je vous en supplie. Attendez. Vous rendrez tout avec intérêt. Je vous jure. Ferme ta gueule et avance. Mais pas vous réfléchissez, les gars. Vous pouvez pas vous faire ça. Vous êtes un petit pour vrai. On fait pas ça. On fait pas ça. Un ami. Vous avez des producteurs. Un petit peu. Vous commettez une faute. Un homme vivant peut vous rembourser, pas un homme mort. Vous m'entendez? On ne veut rien entendre de toi, alors tu la fermes et c'est mais tout. Mais écoutez, écoutez, donnez-moi une semaine, je doublerai la somme, je vous promets, les gars. Quitte ou double, qu'il a dit. Alors, c'est quitte. Allez, grimpe l'échelle. Non! Allez, grouille-toi. Mais faites pas ça, faites pas ça. Non! Faites pas ça, non! Ça va, ça suffit. Laissez-le tranquille. Vous n'aurez pas un fifrelin d'un homme mort. Déliez-le. Est-ce que tu aurais l'intention de payer les dettes de ton vieux, fiston? Non. Alors te mêle pas de nos affaires. Vas-y, tue-les! Tue-les maintenant, tu tiens le bambou! Tue-les! La ferme, Charlie. J'ai mon compte d'ennui comme ça. Allez, toi, descends. Allez, venez, Charlie. Tu veux bien m'emmener avec toi? Jusqu'à la sortie de la ville. Un homme comme toi.
J'aurais jamais imaginé que ça se passerait comme ça. Tous les deux, côte à côte. Petit, il faut que je te parle. Franchement, d'un père à son fils. Il faut que tu m'aides à retrouver cette mine abandonnée. Combien de fois tu as vendu ce fameux plan ? Des tas de fois. Mais j'ai jamais mis dessus l'indication qui permet de la trouver pour de bon. Non, tu ne l'as jamais mise parce que tu ne la connais pas. Mais c'est sûrement là-bas, une montagne, comme une belle motte de beurre. Combien de fois as-tu raconté à des veuves que tu as perdu toute ta famille dans une épidémie ? Combien de fois as-tu raconté à une pauvre dame infirme ou à un prédicateur compatissant que tu as perdu ta famille dans un raid d'Indiens sur la plaine ? Alors combien de fois tu as vendu la mine ? Dis Charlie, combien de fois tu as vendu ta famille avec ? Alors, c'est pas exactement comme ça. Charlie, tu as vendu le moindre morceau de toi-même. Et le moindre petit rêve que tu as pu faire. Oh, c'était pour avoir une vie agréable et facile. La vie facile, tu l'as eue, t'as fait l'idiot. Mais maintenant, il faut voir les choses en face. D'accord. D'accord, je reconnais. Mais tu es là, et c'est un fait. Et je suis là, et c'est un fait. Charlie, je suis allé au ranch des Barclay pour réclamer mon héritage parce que je pensais que c'était un fait. J'y retourne maintenant pour leur dire que ce n'était qu'une invention. Je suis parti pour toi. Je t'ai sacrifié ma vie et mon foyer. C'est pas pour que tu gâches tout. Ouais, c'est ici qu'on va se dire adieu. Tu vas suivre ta route et j'espère qu'on ne se rencontrera jamais. Eh bien, sa trace, y a pas de doute. L'autre est avec ? Non, je pense pas. J'ai pas vu d'autres traces par ici. Lui et Barclay ont dû se séparer. Allez, on continue. La prochaine fois qu'on attrapera Charlie Sawyer, on gaspillera pas les mots, on n'écoutera pas les salades, on tirera tout de suite. J'avais le pressentiment que tu serais là aujourd'hui. À tout te dire, maman a passé toute la nuit à préparer ton plat favori. J'espère que tu aimes toujours autant le canard sauvage. Comment ça a été à Strawberry ? La propriété est à toi ? Il n'y a pas de propriété. Il n'y en a jamais eu. Bon, on pourrait parler de tout ça après le dîner. Je préfère qu'on en parle maintenant. Quand je suis arrivé au ranch, je n'étais rien du tout, une feuille ballottée par le vent. Je n'avais pas de racines, ni de place nulle part. J'allais d'un travail à un autre travail. Une chambre d'hôtel miteuse était le mieux que je pouvais m'offrir. Mais je voulais un foyer. Et un nom qui puisse être respecté. Je les avais enfin trouvés. Ma mère et Tom Barclay. Je ne vous avais pas menti le jour où je suis venu ici. Je pensais que Tom Barclay était mon père.
ce fait, j'avais droit à ma part de tout ce que les Barclay possèdent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne suis pas... Je ne suis pas un Barclay. Je m'appelle Sawyer. Charlie Sawyer est mon père. N'insistez pas. Il n'y a plus rien à dire. Il y a beaucoup à dire, au contraire. Allez-vous-en. Très bien. Très bien. Mais nous t'avons écouté. Maintenant, il faut que tu écoutes ce qu'on a à te dire. Je n'aurais pas dû lâcher pied. Non, non, il faut le laisser tranquille pour qu'il puisse réfléchir. Le temps ne fera rien à l'affaire. Je crois qu'il vaut mieux mettre les choses au clair tout de suite. Peut-être lui sera-t-il plus facile de nous parler à Nick et à moi. Chose, on dirait. Tout ce qu'il me faut. Est-ce que tu te rends compte qu'en agissant comme tu le fais, tu blesses une femme qui t'aime? Non, vrai, je ne pensais pas être blessant. Je ne sais pas d'où tu tiens tes informations, mais j'ai appris beaucoup de choses intéressantes sur Charlie Sawyer. Écoute, je sais tout sur Charlie Sawyer, mais je me suis pas fié à lui. J'ai vu Anna qui vit à Strawberry. Elle l'a aussitôt reconnu. Quel âge elle a, Anna? Qu'est-ce qu'elle vaut, sa mémoire? Il est possible qu'elle se soit trompée. Jarod, c'est inutile. As-tu vérifié les archives locales? Ce n'est pas nécessaire. Mais je crois que ça l'est, moi. À moins que tu aies une bonne raison pour ne pas vouloir être en Barclay. Jarod, c'est pas ce que je veux. C'est ce que je suis. Et nous? Que sommes-nous censés faire? Te considérer comme un parfait étranger? Écoute, je me suis introduit sous un faux prétexte et maintenant je m'en vais. C'est tout. Tu t'en vas, quand nous devons faire face à la plus terrible sécheresse depuis 50 ans. Maintenant, tu vas m'écouter, Heath. La décision que tu prends affecte chacun de nous. Et tu ne nous laisses pas le droit de dire oui ou non. Si c'est pour le non que tu t'en fais tellement, je te procurerai le plus légal des extraits de naissance. Merci, Jarod. Je ne suis pas un Barclay. On devrait te taper dessus au lieu de rester là comme des mômes à te supplier. Très bien. Allons en bas. Après tout, peut-être que maman et Audrey sauront te faire entendre raison. Tu sais ce que je vais te dire, Heath? Quand je t'entends déconner... Peut-être que t'es pas un Barclay, après tout. Il n'y a pas de peut-être. Alors allons-y. Seulement vous dire ceci. Au-delà de ce que tout le monde sait, j'apprécie ce que vous avez tous fait pour moi, en faisant une place dans votre famille. Vous m'avez donné beaucoup plus que je méritais. Mais il faut le dire, tout ce que vous me donneriez maintenant serait par charité. Charité? Heath
Barclay, je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi ridicule de ma vie. Charité! Sache que tu es aussi Barclay que moi-même. Maintenant, tu vas m'écouter. Cette famille, ça veut dire toi inclus. Cette famille restera unie. Si nous ne sommes pas liés par le sang, nous sommes liés par le dévouement, le travail et l'amour. Tu as dû te battre pour venir. Il va falloir que tu te battes encore plus pour partir. Je ne veux pas déterrer une fois de plus cette vieille histoire. C'est fait, tu entends? Terminé! Tu veux partir, Yves? Oh, tu es libre, mais ça ne changera rien à ce qui est, parce que où que tu ailles, parce que quoi que tu fasses, et quel que soit le nom que tu portes, tu seras toujours un Barclay. J'aimerais toujours être un Barclay. Tiens bon un instant, je vais chercher mon cheval. Oh. Is. Is. Est encore sorti. Fallait que je revienne. J'en ai lourd sur la conscience. Je suis sincère cette fois. Je sais que tu l'es, Charlie. Tu sais, il faut que j'efface l'ardoise. Il faut que je te le dise. Il faut que je te dise. Toutes les salades que je t'ai sorties. Comme quoi j'étais ton père. C'était des salades. Mais tu avais épousé ma mère. Ouais, ça c'est vrai. Oh, elle était si jeune. Elle a cru tous mes mensonges. Elle m'a cru moi. J'ai volé ses petites économies, ensuite j'ai fichu le camp. Non, je ne suis pas ton père. Je ne comprends pas. Oh, tu es né 2 ans au moins après que je sois parti. Je ne peux pas te raconter toute la perversité qu'il y avait en moi. Je prenais et prenais encore, sans jamais rendre à Fifrelin.
Je savais bien comment piquer leur argent. Mais je ne savais pas comment réagiraient mes victimes. Et je ne savais pas comment je réagirais moi-même. N'essaie pas de parler, Charlie. Fiston. Je veux que tu hérites de ma mine d'or. Quelque chose. Je veux que tu saches quelque chose que j'ai à te dire. Oh, Seigneur. J'aurais tant voulu que tu sois mon fils pour de bon. Qu'est-ce qu'il a découvert ? Rien. Un mirage d'or. Une montagne de pyrite de fer. Tout ce qui brille n'est pas or. Charlie avait fait un beau rêve. Tant mieux qu'il se soit endormi avec. Allez, laisse tomber, rentrons. Ça a l'air de mordre sur la gauche, Nick. Je vais voir. Je vais continuer par ici. Tu espères trouver de l'eau avec ta baguette de sorcier ? Je pourrais te surprendre. Une baguette de sorcier, c'est du bois de coudrier, pas du bois de pêcher. Mmh, d'habitude, oui. Où tu es ? Laisse le passage. Ce garçon est orgueilleux comme un paon. Tout à fait comme les Barclay. Ça va, frérot ? Tu triches. Prends la pioche. Que je prenne la pioche ? J'ai trouvé l'eau. Tu peux enfin creuser. Il n'y a pas plus d'eau ici que de beurre en broche. Et Nick, j'ai vu faire les sourciers des quantités de fois. Mais si tu n'as pas confiance et si tu penses qu'on n'a pas besoin de lui, alors... C'est bon, arrête ton char. Tu veux arrêter ton char une minute. D'accord, je vais prendre la pioche. Mais si jamais il n'y a pas d'eau là-dedans, tu vas regretter de m'avoir fait creuser pour rien, je te le promets. Twice.